Grand-père, tu vois, le temps n'est pas bon aujourd'hui. Hein. Fais un peu, ça caille un peu là. Là, on n'est pas à Bamako. Ah, on n'est pas mieux à Paris non plus. Hein. Tu es arrivé à Sochaux, comme tu as connu Nantes, il y a la mer, ouais. Tu vois, tu as connu Troyes, il y a les bonnes soldes, ouais. Tu vois, quand c'est les soldes, tout le monde va à Troyes. Ouais. Tu es arrivé à Sochaux ici, qu'est-ce que tu aurais voulu ramener à Sochaux de ces anciennes expériences, ou même en Belgique, hein, tout ce que tu as, il y avait de bon là-bas, qu'est-ce que toi tu aurais voulu ramener à Sochaux? Ah, je suis ici là. Ici, il fait trop froid. Il fait trop froid et c'est une beau ville que j'aime bien aussi. Et après, comme je t'ai dit, moi, je m'adapte partout. Donc, j'aime bien. C'est une ville calme, que les gens sont sympas. Donc, c'est bien. J'aime bien. Et comme j'ai dit, toi, tu as la joie de vivre. Mmh. Ça veut dire que tu n'es pas fermé aux autres. On ne peut pas être heureux. Enfin, on ne peut pas avoir la joie de vivre que tu as si on n'est pas quelqu'un d'heureux. Ou si on n'est pas quelqu'un qui crée les conditions pour être heureux. Et je pense que ça doit être difficile d'être heureux tout seul. Ouais. Ça veut dire que tu as des amis. Donc, quand tu arrives à Sochaux ici, ouais, est-ce que tu t'es fait des nouveaux amis parmi tes coéquipiers dans la ville? Comment est organisé ton entourage ici à Sochaux? Ouais, moi je suis quelqu'un qui est joyeux, qui aime bien la vie, qui profite bien de la vie. Et la vie pour moi, il faut profiter parce que tout va finir un jour. Et foot aussi, c'est le moment, il faut profiter. Ouais, tous les clubs où j'étais, j'ai laissé de bonnes images là-bas. Moi je suis quelqu'un qui aime bien la musique. Ici surtout, j'ai venu trouver quelqu'un qui est comme moi un peu. Ouais, Pogba, Florentin, c'est quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un bien. Et on a un super groupe ici aussi, que je m'entends avec tout le monde. Donc je suis content d'être là et on s'amuse bien. Ouais. Ici c'est la gare de Montbéliard. Ouais, c'est une petite gare. Et là c'est une ville. J'ai vu, c'est propre. Hein. Ouais. C'est une petite ville, mais c'est bien. J'aime bien. Tu sais, quand tu as quitté Nantes, enfin, oui, tu es passé par Troyes, mais de Nantes à ici, ça s'est réduit. Ouais, surtout Belgique aussi. Et puis où j'étais. Ça c'est un château. Ah, ouais, c'est le château de l'église. C'est vrai que c'est bien le touriste. Hein. Mmh. Hein? Ah, il faut profiter. Hein. Le guide touristique. Il faut profiter. Vous voulez qu'on rentre à la gare? Ouais, c'est une petite gare. C'est pas Allemagne, Suisse, tout ça là. C'est à côté en fait. Mmh. Ici, Suisse, c'est 45 minutes. Hein. D'accord. Mmh. Oui, j'ai été jusqu'à Genève, je ne sais plus en quel mois, là, pendant l'été. Ah, on est allé faire un reportage là-bas. Ok. Bon. Bienvenue au stade. Merci. Ça, c'est le stade Bona. On fait rien de jeu. Ouais. Bonjour. Bonjour coach. Bonjour. Ça va? Là, les Maliens, on est venus vous braguer là. Mais je vois ça. Ça va. On a bien enlevé l'étoile qui est sur le drapeau du Sénégal. Oh. Au Mali. Mais ça, il faut mettre les deux ensemble. Ah, pareil. C'est ça, nos grands, ils ont échoué, il faut que nous, on puisse le faire. Exactement. En tout cas, il faut
remettre tout ça ensemble. En tout cas, on est content pour toi. Être là, je dis, on est content pour toi. Merci. Être là avec ce show, avec Adama et les autres. C'est normal. Il est rentre de bonnes mains. On est ensemble. Voilà, nous, on est venu tourner aujourd'hui, montrer un peu au pays ce qu'il fait. Ça fait plaisir. Voilà. Mais je les lâche pas. Non, il faut pas. Si jamais il y a un petit truc qu'on nous appelle, je les lâche pas. Ça, c'est toujours entre nous, ça. Les marchés, les game. Ça reste toujours dans le vestiaire, ça. Ouais. Voilà. On est entre nous, ça reste toujours. En tout cas, bon boulot. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ouais. Plaisir. En tout cas, faites comme. Faites comme chez vous. Vous êtes déjà allé. On va rentrer là. J'ai déjà dit à Freddy. On va ouvrir tout ça. Ça marche. Merci, coach. Bienvenue. Merci. Mais c'est pas basse. Je vois. Ça va? Allez. Ça va? Ça va ou pas? Ok. Ouais. Ouais, c'est bon déjà. De plus quand? Eh mon frère, t'as la manière de la dormir. Ah, Zoom. Ah, Yoda. Ah. Tu vois, Pupi, c'est le gars qui, je vais s'entendre bien avec lui ici. Ouais, c'est la Guinée. Ça c'est quoi ça? Ta tête là? Ah, un frère Pogba qui parle de coupe des cheveux, moi je ne veux même pas. Ouais. Oh, ça c'est Marc de Fabrice, la tête de ce sujet. Ça c'est Salkini. Ok. Bonjour. Ouais. Attention, tu es dans la boîte. C'est Salkini. Oh ben. Les gardiens de lui. Ça va? Ça va? Ça va? Oui. Ça, c'est ça le dîner. Oui. Oh! Joe Martial là? Tous les filets, tu peux le prendre. À partir de là. Ça, c'est ma place. Il faut pas gagner moi de cette place aussi. Hein? Ça c'est reportage. Ça c'est direct, comment quoi? Venez. Merci. Non, t'es en vas-y, on m'en fait. Ah, on dort, mais voilà. Ça, c'est ma place. Ça, mais il a fait mieux. Oui. Adama Nian. Oui. Bon, vas-y, moi, je vais. Ça, c'est ma place. Wow. Et c'est pas moi, il est là. Et tu gardes des trucs dedans? Ah, ben, oui, mes chaussures et tout. Moi, je joue avec les piments. C'est à toi, le plus grand. Freddy, t'as. Ça, c'est mon Freddy. Hein. D'accord. Ça va? C'est mon type. Allez, c'est bon. D'accord. Il m'a bien accueilli ici. Et lui, c'est quel rôle dans. Team manager. D'accord. D'accord. Ah, gros boulot. Gros boulot. Gros c'est boulot. C'est un bon. C'est qui qui tout ici. Vu comment le résultat qu'Adama nous donne, ça veut dire qu'il est bien traité. Oui. Non, c'est un très bon garçon. Moi, j'aime beaucoup. D'accord. Merci, ça fait plaisir. Ben moi, je joue avec les piments. Et toi, t'es avec la team piment. Ouais. Et tu sais combien là? 43. Je joue avec ça. Oh, c'est sale ça. Je suis sponsorisé par la piment. Depuis combien de temps? Oh, ça fait. Bientôt 5 ans. Ah ouais? Bientôt 5 ans. D'accord. Ouais, ben venez, on vient au restaurant. Je veux faire le Adama. J'écoute les fonds. Si aujourd'hui, Adama, tu vas être à la pointe et je vais prendre sur toi. Ok, coach. Voilà. Je pense que si je vais faire le boulot. Non, tu coupes le mafé. Je vous gêne. Tu connais lui ou pas? C'est Martial, les frères d'Anthony Martial.
Ah d'accord, en fait il y a des frères ici. Ouais. Ouais, j'étais à trois avec lui ici. Ah, vous étiez à trois ensemble. Vous vous êtes passé le mot? Non, mais pas. Franchement, c'est... quand j'ai signé, l'article de Mossel est signé, donc j'étais très content. Vous savez, j'allais voir. J'allais avoir un pote avec moi et un bon attaquant aussi. Merci. Voilà, on y va. C'est le club des grands frères. Ah, on dirait. Je vais vous présenter mon jardin. Ça va, il n'y a pas de détails hein, dans le monde de Marie. C'est... Ça, c'est les chaussures. Oui, oui, oui. C'est nous-mêmes qui nous ça. Après l'entraînement, c'est nous-mêmes qui lavons les chaussures. Tu vois, les français et tout ça. Bon. Chacun sa place et tout. Donc les pros, ils lavent leurs chaussures. Bah oui, obligé. Qui va laver en place? C'est nous-mêmes qui lavent, tu vois. Après l'entraînement, tu laves toutes les chaussures ici. Avec la question des chaussures là, il y a du fétichisme chez les joueurs. Genre, le gars, il va jouer avec la même chaussure pendant longtemps jusqu'à ce qu'elle se gâte. Parce qu'il a habitué son pied. Est-ce que toi, tu fais ça? Ouais, il y en a qui fait. Il y en a qui fait. Moi, ça, je passe même pas souvent. Il y a des chaussures que tu préfères jouer avec au match, il y a des chaussures que tu préfères jouer à l'entraînement. Donc c'est d'accord. Comme ça. Okay. Bon. Ça, c'est les stades. C'est comment? Voilà les stats. Attends, on va mal ici là. Hein? C'est le partenaire. Mmh. Ouais. C'est là où on sort pour aller au stade. Vous sortez des vestiaires. Pour aller au stade, oui. D'accord. Ok, bah on va. On va sur le stade, on perd rien. En termes de net, on perd moins qu'un retour. Donc là, c'est la sortie pour le match. Ouais. Tu es chez toi, à Bonal. Bonal. Tu es plein à craquer. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait quand tu sors là? Ça fait toujours plaisir d'aller sur le terrain. Est-ce que tu te sens porté? C'est différent de si tu joues au Parc des Princes, si tu joues au Vélodrome. Comment ça se passe? Non, pour moi, dès qu'on rentre sur le terrain, c'est pareil. Je pense rien d'autre que jouer ballon. D'accord. Ouais. Ok. Ok. Bon. Quoi, toi, tu as déjà joué ici avec le stade plein. Ouais. Non, c'est quoi? Ça. Ça fait... Là, 6000 km. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. Ici, il y a un stade qui est plein. Tout le monde te connaît. C'est un truc de fou. C'est magnifique. C'est la chance, quoi. Donc... En plus, quand tu marques un but, comment toi, tu manifestes? Par exemple, là, il y a le but, tu vas là-bas. Je vais aller danser. Bah, on va faire genre, t'as marqué un but. Ok. Oh! Ouais, mais c'est que t'en fiches pas. Hein? En fait, tu parles comme mes enfants, chaque fois que les bails, ils disent que je triche. 3, 2, 1. Parfait! Non, 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 moi je suis pas d'accord. Là, il a gagné. Cette victoire alors. Attends. Déjà, je vais te flouter comme ça. Parce que ça, c'est de pas la normal. Franck, quand je suis premier d'un 100 mètres à Bonal. Ah, non, non, non. C'est grâce aux... Félicitations, félicitations. C'est grâce aux... Bon, cette victoire, je la dédie à ma famille, à mes parents qui m'ont supporté, à tout le public qui est là. Merci.
Tu mérites. Adama, tu peux nous dire la vérité. Pourquoi tu l'as laissé gagner? Non, il a. Il court bien. Voilà. Il court vite. Il a gagné. Il a endossé sur toi, tu veux pas qu'il le gagne? Non, il a gagné. Adama, c'est un football. T'as vu comment? Il est costaud, il court vite. Ouais. Là, on est assis sur le banc de Sochaux. Bon, on va dire les joueurs, ils n'aiment pas trop être sur le banc. Ouais. Est-ce que toi, tu te dis, je suis pour l'intérêt de l'équipe, si de temps en temps je suis sur le banc, mais est-ce que ça t'a déjà énervé, t'as déjà eu un souci avec le coach, une explication? Pas que à Sochaux, hein, toute ta carrière, parce que tu as été sur le banc de Sochaux. Ouais. Aucun joueur peut vous dire qu'il aime être sur le banc. Ça n'existe pas. Tout le monde aime jouer. Oui, ça m'a déjà arrivé d'être fâché, être sur le banc. Mais c'est comme ça. Mais après, le plus important, c'est l'équipe. Et tu peux être sur le banc, tu rentres, tu changes les matchs. Et tu peux être sur le banc, tu ne rentres pas, l'équipe gagne. Donc, c'est comme ça. C'est le métier qui fait ça. Donc, faut faire comme ça, en fait. Même s'il y a. Il y a 12 Messi, il n'y a que 11 qui peut jouer. Donc, c'est comme ça, on ne peut rien changer sur ça. Donc, après ta carrière professionnelle, est-ce que tu penses un jour être sur le banc comme Omar Daf, en train de dire voilà les jeunes, c'est comme ça, système de jeu, 4-4. Je ne pense pas. Alors, il y a un coach. Non, je pense pas. Non, c'est trop dur d'être coach. C'est très dur d'être footballeur professionnel. Ouais. Quand je vois, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Guilbou. Tu vois, moi, d'où je viens, quand je viens de ça. Ouais, ça fait plaisir. Tu vois, c'est un gros investissement. La preuve, on n'a pas exactement le même chemin. Et ceux qui ont investi dans ça, ont investi dans toi. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de joueurs ils ont ici. C'est-à-dire que tu fais partie des meilleurs. Tu vois. Donc être footballeur professionnel, c'est très difficile. Marquer des buts, c'est encore compliqué. Et toi, tu marques des buts. Cette année, tu en as mis 4 en 24 matchs. Mmh. Voilà. Est-ce que tes statistiques te disent, tu es content, tu peux mieux faire? Comment tu te vois par rapport à tes performances de cette année? Là, bon, il y a le Covid et tout, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Comment tu vois tes performances cette année? Ouais, je vous réponds par rapport à comment je suis venu ici. Et pour être un professionnel aussi, c'est pas facile. C'est pas facile. Le foot, les gens vous voient comme ça, ils pensent que c'est commencé maintenant. Donc, on vient de loin, quoi. On vient de loin, ça demande beaucoup de choses. Il y a la chance, mais il faut beaucoup travailler aussi pour être là. Même si je ne suis pas un joueur top, je sais que je fais quand même quelque chose dans le foot. Donc, je suis content. Après, ici, j'ai mis 4 buts pour l'instant. Pour moi, c'est pas assez. C'est pas mon objectif. Mais comme championnat, ça reste 10 matchs. Donc, mon objectif, c'est 10 buts. Donc, avant fin de saison, on croise les doigts avant fin de saison, c'est ça mon objectif, de mettre du but. En plus, toi, tu as déjà été meilleur buteur de la Ligue 2. Je crois que tu es le premier Malien. Il y avait Salif qui était en Ligue 1, mais je crois que la Ligue 2, de tous mes souvenirs, tu es peut-être le premier Malien de l'histoire à avoir été meilleur buteur de la Ligue 2. Ouais, ça c'est... Ça, je ne vais jamais oublier ça toute ma vie, mais c'est dans l'espoir. Et je suis fier de moi et je remercie tous les coéquipiers qui étaient avec moi ces années-là à Troyes. On a fait une belle saison, ça fait plaisir. Et pour moi, c'est un truc qui reste dans la tête. Donc, je suis trop content. Et fier de moi et ma famille aussi et tous les Mali. Donc c'est comme ça. Après,
ça s'est passé maintenant. Donc il faut. Ouais, il faut aller de l'avant. Il faut aller d'avant, il faut avancer. En tout cas, le jour où tu recevais, je crois, ton trophée de récompense de l'UNFP, tu es venu dans un gros boubou bazar. Ouais. Merci à ta maman pour ce bazar. Ouais. Ah, ça. Moi, c'est Djok. Donc, comme on dit, Djok, il est fier. Est-ce que tu as échappé à la vente de bazar quand même? Ouais, mais je crois après le foot, je vais vendre Bazin. Hein. Ouais, tu viens chercher. Hein. Ah, t'as pas tort. Après, je vais au marché du Mali, hein. Je vais au Soukouba. Tu connais là-bas. On va pas vendre les Bazins des autres. On crée une marque de Bazin. Inch'Allah. Adamanian. Inch'Allah. Voilà. Ouais, ça fait plaisir. C'est un moment, en fait. Ma mère, je lui ai dit, dès que je vais finir mes arbitres, je vais mettre Boubou. En ce moment, c'était au mois de décembre quand je suis parti au Mali, j'avais combien 11. J'ai dit quand je vais finir mes arbitres, je vais mettre Bazin pour aller récupérer mes trophées. Et après, c'était comme ça. Donc. Et ta mère, elle s'intéresse au foot? Est-ce qu'elle regarde tes matchs? Non, pas. Non. C'est mes tantes qui regardent bien. Jamais. C'est rare parce que. Elle comprend rien dans elle le comprend pas foot, mais elle comprend quand Adama il a marqué. C'est elle est déjà venue te voir jouer, c'est vrai qu'elle est déjà venue. Si. Ça t'a fait quoi? Ça fait plaisir de voir. Tu vois le petit de Giribougou qui ramène sa mère ici, en train de le regarder. Ouais, c'était à trois, là-bas. C'était magnifique, ma mère elle était fière de moi et je les vois tous les stades. Qui parle de mon nom et qui crie, donc c'est une fierté. Tu n'as pas demandé à Adama ni Mouron, mais il t'aura dans le groupe. Elle-même, elle était choquée, elle était contente et j'ai vu son visage qui est. C'est important pour toi de voir que ta maman, elle est fière de toi. D'avoir sa mère comme coéquipier dans tout ce que tu fais. Ouais. Après, les gens ne se rencontrent pas. Pas tout le monde la mère. Il faut profiter. Il faut profiter de tes parents. Il faut leur montrer que c'est pas que foot quoi. Tout ce que tu fais dans la vie, une mère c'est ta force. Un homme peut pas être un homme sans une mère. Donc. Pour moi, ma mère, c'est tout pour moi. Donc, c'est ça ma force. Donc, tu disais tout à l'heure que toi, ta force, c'est ta mère. Oui. T'as pas de gris-gris, t'as pas de trucs. Pourtant, à trois, tu m'as dit en off que voilà, les gens t'ont associé à des histoires de gris-gris. Gris-gris, là, ça, c'est une histoire de banale, comme on dit. C'est n'importe quoi. Gris-gris là, ça marche pas. Si je fais gris-gris, je vais aller être à Chelsea ou Barcelone et tout ça là. Ou pourquoi en Afrique, on prend pas Coupe du Monde. Ça n'existe pas. Donc, ceux qui pensent à ça, c'est les gens qui croient pas à Dieu. C'est les gens qui sont faibles. Donc, pour moi, foot, c'est le travail. Attaquant, c'est naturel. Et pour moi, c'est naturel. J'ai jamais touché gris-gris pour aller marquer. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Ouais, comme je viens de dire, ma force et ma mère, si elle prie pour moi, c'est bon. Ça c'est mon jardin ça. Mais là, d'entraînement où on va. On va mettre ma gueule. Bon.
étapes d'entraînement. Ouais. Et là, vous vous entraînez combien de fois par semaine? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Des fois, on vient juste pour les soins. Il y a des jours où on vient que pour les soins et tout ça. Là. Sinon, tous les jours, on s'entraîne. C'est ici. Ouais. Pendant toute la saison, tu as plus de temps. C'est-à-dire que tu es obligé d'être au top. Il faut être top, sinon ça va être chaud pour toi. C'est ici les pénis. Tu vois les jardiniers sont là. Bonjour les gars. Bonjour. Maintenant on va aller voir les jardiniers. Tu sais comment ils s'appellent? Non, mais on va aller voir. Ok. Ça veut dire que toute la semaine, les médecins savent ce qui a changé. Tout, on est bien organisé. 500 grammes. Chaque deux semaines, on prend des poids. D'accord. Tu es obligé d'avoir une hygiène de vie sérieuse. Obligé. Tout est contrôlé. Sur le plan alimentaire, qu'est-ce que toi tu aimes que tu ne pourrais pas manger là, par exemple Moi, personnellement, je ne prends pas de poids. Parce que je me rappelle, ça fait. Ça se voit à moi, je pourrais te dire. Oui, depuis que je suis venu ici, en France, je crois que je prends jamais en fait. Je suis toujours à 72, au minimum 73, je ne dépasse pas. Quelle taille? J'ai 1m82. Ah ouais, c'est vrai que c'est plus grand que moi. C'est pas ma taille en plus. Ouais. Bonjour les gars, voilà les jardiniers. Bonjour les chefs. Ils sont là les chefs. Ah. Ça va? On a marché sur vos enfants, hein. Ça vous dérange pas? Comment ils appellent? Vous n'avez pas de tampon, ça va? Alors, chacun, on les connaît par cœur. D'accord. Ouais, c'est les jardins. Un bon boulot. Voilà. Du coup, tu passes un bon moment de ta vie. Ah! Tous les jours, toute l'année on est ici. Donc c'est notre travail. Ici à la maison. On passe plus de temps ici que la maison. Que la maison. C'est vrai que la vie de footballeur, ça fait rêver. Mais c'est dur. C'est trop dur. Mais c'est dur. Si le niveau c'est ça, c'est dur de rester comme ça tous les jours. En fait, les milieux de foot professionnel, c'est vraiment difficile. Parce que tu dois être à 100% tous les jours. Il y a des concurrences. À l'entraînement, tu dois donner à fond et tu dois faire attention à tout ce que tu fais au dehors de foot et tout ça. Donc, c'est vraiment. Même ton image. Hein. Ben oui, c'est important. C'est important. Parce que tout le monde peut faire un truc, toi tu fais, ça devient problématique. Ouais. La presse, elle en parle. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est un boulot qui fait ça. Donc, un petit truc et ça va bon. Sinon, c'est bon. Prendre l'ampleur. C'est pour ça, pour faire attention. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est pas que le footballeur, en fait, médiatiquement, c'est très très référencé. Ça veut dire que tu tapes juste à Dama N, Google, il va te proposer Nian. En fait, toi, tu rencontres des gens pour la première fois. Mais il suffit que tu dises, je m'appelle Adama Nian, ils savent. Ils ont juste à regarder sur Google, ils savent ta date de naissance, ton poids, ta taille, même ta pointure. Mais en fait, vous discutez de quoi? Puisque moi j'arrive là, je sais tout sur toi. Tu sais, des fois c'est intéressant, ouais, je m'appelle Adama Nian, oui, tu vois, on sait tout sur toi. Est-ce que ça rend pas la vie un peu fade? Non, pour moi c'est normal. Après, moi je prends jamais la tête, je prends jamais une grosse tête pour me dire ouais, c'est Adama Nian et tout ça là. Ça c'est la chance pour moi, c'est Dieu qui a fait ça. Donc après je prends pas la tête en fait. C'est vrai que tout à l'heure en off tu me parlais de la famille, tu me dis que la famille est très importante et tout. Et aussi le fait de savoir d'où je viens, ça fait que même si Bonal est plat, tu fais un doublé, tout le monde crie ton nom quand tu rentres chez toi, tu reviens le petit de Guilbrou, tu ne te prends pas pour quelqu'un d'autre. Non, jamais, jamais. Pour moi, la famille, c'est le plus important. Et parce que même, si il y a la bonheur, c'est la famille qui est là. Si c'est la malheur, c'est la famille qui est là. Donc, il faut bien profiter de la famille, il faut tout donner pour ta famille, tes proches. Bon, après foot, c'est le moment. À un moment donné, ça va s'arrêter. Tu vas pas faire toute ta vie de jouer au foot. Donc,
il faut profiter avec des bonnes personnes et il faut profiter toi aussi pour passer des bons moments quand tu joues. Après, quand le football arrêté là, personne vient te voir, ça va être rare. Hein. Ah, si je veux avoir autographe et tout ça là, ben, bon, les moments que tu peux, il faut profiter. Quoi. C'est vrai. Ouais. Tu as raison d'avoir cette philosophie parce que beaucoup de gens se sont perdus en se présentant pour quelqu'un d'autre. Non, ça sert à rien. Tu vois? Ça sert à rien. Bah, j'aurais dit Dilbou. Ah, Dilbou. Il y a beaucoup de footballeurs qui viennent de là-bas. Hein. Ah, là-bas, c'est quartier de foot. Hein. Pourtant, il n'y a pas de terrain de foot là-bas. Si, maintenant, c'est bon. Ah ouais? Ouais. Le Yirmi Ngoro. Ah, le Nard. Ouais. Cher. Ah, ça change. Hein. J'ai vu, ça change. Hein. Yirmi Ngoro est maintenant là. S'il n'y a pas Yirmi ici. Ah, il n'y a pas Yirmi. C'est top. On monte un peu dans les. Vas-y. En fait, on a deux supporters. Qui sont chauds même. Maintenant, il y a des parties qui se mettent ici, il y a une partie qui se met de l'autre côté. Ah, c'est pour ça que quand tu marches, tu viens ici. Ouais. Alors, ouais. Est-ce que tu as un drapeau du Mali ou non? Non, j'ai vu juste un petit qui a fait un papier, il a mis vert jaune rouge, il était là-bas. D'accord. Après les matchs, il est parti donner mon maillot. Tu as donné ton maillot. Ah, ouais. C'est sympa. Hein. Ouais. En plus, les jeunes, ils aiment ça. Ouais. Non, ici, ils aiment bien leur club et ils sont trop fans. Donc, ouais. Ils sont à fond. Quoi. C'est vrai qu'ici, quand c'est plein, c'est phénoménal. T'as vu? La première fois que tu as joué, quand il y a eu le Covid, avec le stade vide, ça fait quoi? Ouais, c'est triste. Mais est-ce que ça t'a perturbé dans le jeu? Non, après, on est des professionnels, on doit bien concentrer sur le jeu. Et même si le stade est plein, on est concentré sur le jeu. Mais ça me motive quand même d'avoir des gens, des supporters à côté qui m'ont soutenu et tout. Mais c'est dommage quand même qu'il n'y a pas de supporters. S'il y a un supporter, c'est plus beau. Quoi. C'est vrai. Ouais. Je pense que le plus important dans la vie, c'est aussi de connaître l'humain. Voilà, on est tous là pour notre métier, mais c'est important de connaître l'humain. Donc Adama, quand il est arrivé, on a discuté. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à tirer le meilleur de chacun d'entre nous. Donc c'est un bon footballeur et humainement, c'est quelqu'un de bien. Donc voilà, on essaie de travailler ensemble pour qu'il nous apporte tout son talent. Et ça, c'est... Et pour y arriver, c'était important de bien discuter avec lui. Je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Et oui, c'est ici que ma carrière professionnelle a commencé. Donc je remercie le club pour cette confiance. Par la suite, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai passé tous mes diplômes d'entraîneur. Donc le club m'a fait confiance aussi pour devenir un entraîneur professionnel en France, en Europe, ce qui n'est pas toujours évident. Mais grâce à l'éducation de mes parents et grâce à Dieu, j'ai pu arriver à ce niveau-là. Aujourd'hui, avec les joueurs, oui, on travaille, on met beaucoup d'exigences pour leur faire comprendre que le haut niveau, c'est dur. Mais en tout cas, ils ont la chance, ils ont le potentiel pour réussir. Donc moi, je serai toujours exigeant avec eux pour qu'ils aillent le plus haut possible. Avant tout, c'est toujours de remercier mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Ils m'ont fait comprendre que dans la vie, pour y arriver, il fallait toujours travailler. Donc j'ai travaillé très dur. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de coach africain en Europe et moi je voulais pas accepter ça. Donc après ma carrière de footballeur, j'ai passé tous mes diplômes pour montrer qu'on avait les capacités et les compétences pour entraîner à ce niveau-là. Voilà, je pense qu'il faut toujours repousser les limites et aujourd'hui oui, entraîner à ce niveau-là c'est bien. Je pense qu'on a des capacités pour faire plus et c'est ce que je veux faire avec beaucoup d'humilité. Mais ce qu'on essaie aussi de transmettre à la nouvelle génération. Il faut toujours repousser ses limites, on a des capacités qu'on ne soupçonne pas. En tout cas, il faut
faut toujours essayer d'aller le plus loin possible, croire en soi, croire en ses possibilités. Je pense que dans la vie, quand on est droit, quand on est juste et qu'on travaille, Dieu nous récompense toujours. C'est un buteur. C'est un buteur et ça, dans le football, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, après quelques saisons difficiles en Belgique, il est venu chez nous, il a trouvé aussi une famille, il a été bien accueilli. Dans le vestiaire, ça se passe bien. Donc là, on voit, il recommence à marquer. Donc oui, on va le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il retrouve son meilleur niveau qu'il avait à 3. Et pour ça, ça passe que par le travail et beaucoup de rigueur. Je suis un des deux médecins du club du FC Sochaux, Montbéliard. Et donc, encadrant les sportifs, essayant de les accompagner au mieux. Et puis, on est content d'avoir Adama avec nous. Comme tout joueur professionnel qui signe un contrat, il y a un checking un petit peu complet au départ, qui reprend le bilan locomoteur pour vérifier toutes les articulations, un bilan biologique complet pour vérifier qu'il n'y ait pas de carence ou d'autres troubles. Et puis ensuite, de ce bilan initial, on essaie d'entretenir, on essaie d'optimiser, on discute ne serait-ce que du sommeil, de la qualité de récupération, et puis ensuite, on essaie d'optimiser un petit peu la préparation avec tous les dosages de suivi des vitamines, et puis une aide avec certaines cures au cours de la saison, que l'on répète. Bon, Adama est quelqu'un qui physiquement est en forme. Après, comme tout sportif, il y a des choses à discuter sur l'alimentation, sur le sommeil, sur la qualité de ce sommeil. Et on joue même des fois sur des inducteurs ou de la luminothérapie. Donc, il y a plein de choses aujourd'hui dans le sport de haut niveau pour essayer d'optimiser ces données de physiologie. On sait par exemple que ce qu'on fait sur la cryothérapie, c'est un moyen de récupérer après des épreuves ou des entraînements. Mais c'est aussi un moyen d'optimiser la qualité du sommeil. Donc la cryothérapie, on s'en sert également dans ce cadre-là. Bon, Adama n'en a pas fait état, mais c'est vrai que, voilà, comme tous les joueurs du club, il est suivi sur le plan biologique. Il y a des petits questionnaires de fatigue qu'on utilise pour essayer d'optimiser un petit peu son état de forme. Je suis le team manager de l'équipe depuis 22 ans, 22, 23 saisons. Voilà, ma mission au club, donc je m'occupe de tout ce qui est accueil des joueurs quand ils arrivent au club. Je m'occupe de tout ce qui est réservation des hôtels, les trains, les bus pour l'équipe professionnelle. Je m'occupe aussi de tout ce qui est matériel, la logistique, les équipements, la mise en place, les licences, les feuilles de match à l'extérieur. Je m'occupe aussi de la gestion de la discipline et surtout pour le bien-être des joueurs qui soient dans les meilleures conditions possibles pour faire leur métier parfaitement. Mettre dans les meilleures conditions le joueur de façon à ce qu'il ne pense qu'au football et que quand il arrive au club, sa prise en charge soit complète, c'est-à-dire qu'il ait déjà son appartement ou sa maison très rapidement, que sa famille n'ait pas de soucis et puis au quotidien surtout que quand on arrive en match, il n'y a pas de problème d'équipement, il a juste ses petites chaussures à prendre et puis au quotidien qu'il s'alimente bien, on fait aussi des repas ici que j'organise aussi. En fait, c'est faire en sorte que le joueur soit dans un bien-être total. Adama, moi je le connaissais un petit peu de 3, puisqu'il a évolué dans le championnat français. Après, le premier contact avec Adama, ça a été une danse déjà, direct. Il m'a fait danser tout de suite, immédiatement. Donc ça, c'est lui, c'est Adama. Non, avec Adama, ça s'est très très bien passé. On a pas mis beaucoup de temps à trouver sa maison. Donc voilà, il a pas été trop exigeant, mais tout de suite, en fait, on a trouvé un bon compromis. Et en fait, avec Adama, ça a accroché tout de suite, parce que c'est quelqu'un de souriant, c'est quelqu'un de festif, et moi, j'adore ce genre de joueur. Et donc, non, ça a accroché direct, au premier regard, ça a accroché. Et toi, tu as eu la chance de porter les couleurs de l'équipe nationale. Comment s'est passée tes premières sensations quand tu as su que tu allais jouer pour l'équipe nationale du Mali? C'est une fierté de mettre maillot de l'équipe nationale du Mali. C'est une fierté pour moi, ma famille. J'ai commencé l'équipe nationale quand j'étais junior.
quand j'étais à Nantes, c'était avec Dougoutri, Moussa Keïta dit Dougoutri. Donc c'était vraiment le jour, le premier jour qu'il m'a appelé, qu'il va me sélectionner, ça m'a fait tellement plaisir et j'étais trop content. Donc c'est une fierté de mettre les maillots de l'équipe nationale du Mali. Justement, tu as joué des matchs et ta dernière expérience était à la Coupe d'Afrique. Et il y a eu un petit malentendu, en tout cas, on va dire un malentendu pour le public sportif malien, à qui on n'a pas expliqué la vraie version de l'histoire. Et donc chacun s'est fabriqué son histoire. Et donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce que toi tu as à dire à tous les Maliens par rapport à cet épisode? Ouais, ben c'était vraiment un moment difficile pour moi. Vu que les médias, comme vous êtes des médias, donc des journalistes qui sont rien, ils m'ont pas demandé, ils n'ont pas demandé Djabi ni personne, ils ont juste publié comme ça. Je ne sais pas qui a publié que j'ai giflé Djabi, alors que c'est faux et c'est pas vrai. Mais c'est comme ça la vie. Après, c'était ça doit arriver, ça m'est arrivé. Ce que je peux dire à tous les Maliens, que ces histoires-là, c'est faux. J'ai jamais tapé Djabi, j'ai jamais tapé personne dans l'équipe nationale. On s'est mal compris. C'était juste une histoire de coupe des cheveux. Après, on a discuté. Après, c'était juste ça. Donc, comme coach, il avait déjà son méthode. Donc, tout le monde sait déjà avec coach Marasouba. Avant qu'on parte, on était à Qatar, on a passé deux semaines ensemble, les derniers jours où on doit aller en Égypte. On a parlé, coach il a mis une méthode, il a dit ben si c'est lui qui ne respecte pas ça, tu vas sortir dans les pros. Donc nous tous on savait déjà. Malheureusement, c'est comme par hasard, moi et Djabi, on s'est disquitté. Après, coach, il a décidé de m'enlever dans le groupe, même si il ne voulait pas, mais comme c'était comme ça, c'était la règle. Après, l'histoire que j'ai giflé Djabi, ça c'est faux. Donc, est-ce que c'est quelque chose que toi tu regrettes aujourd'hui? Est-ce que tu te dis que ça aurait pu ne pas arriver? Ouais, tu sais, même dans la famille, même dans ton propre famille, il y a des embrouilles. Ça ne va jamais finir. Dans tous les clubs, il y a tout le temps des trucs comme ça. Donc les gens ne peuvent pas savoir. Mais entre nous, les gens, on sait. Moi, j'ai toujours de bons contacts avec tout le monde. Et Djabi et moi, avant que je quitte même à l'équipe nationale, on a parlé, on a discuté. Il n'y a rien entre nous. Et après, ça fait mal parce que il y a ma famille, il y a mes proches, il y a mes fans qui voulaient vraiment que ça m'arrive pas, mais comme c'est la vie. Donc ça s'est passé, moi j'ai oublié ça. Mais pour dire à tous les Maliens que ce que les journalistes se sont dit sur moi, qu'ils ont essayé de salir mon nom, c'est pas vrai. J'ai jamais frappé personne et je vais jamais faire ça à l'équipe nationale, donc ni mon club. Après, embrouille là, ça peut arriver partout, même ta propre famille, tes frères ou t'es avec tes... Ah, ça va arriver, tu vois. Donc ça fait longtemps, je suis dans ce milieu-là, je connais bien. Mais l'histoire quand même avec Djabi que je l'ai tapé, c'est pas vrai. Et je peux demander tous les gens, l'équipe nationale, même les staffs, même coach, il sait que j'ai pas tapé. Mais comme c'était son méthode, donc même les joueurs, ils ont fait tout pour que j'y reste et tout. Mais après, c'était comme ça, et coach il a pris sa décision, moi je dois accepter, c'était ça. Donc, justement, tu m'as dit qu'aujourd'hui avec Djabi, l'incident est clos. Vous vous appelez, vous discutez. Non, on ne s'appelle pas, mais avant on ne s'appelait pas, c'était bonjour, bonjour. Mais il n'y a pas. Oui, c'est un coéquipier d'équipe nationale qui est un gars bien, franchement, c'est un bon gars, c'est un bon capitaine. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Je crois que j'ai fait 3 ou 4 sélections avec lui.
on ne s'est jamais embrouillé, on ne faisait que rigoler. En fait, c'est une histoire banale de deux jeunes qui jouent dans une même équipe nationale, qui se sont mal compris sur une question de coupe de cheveux, et qui a été amplifiée par des journalistes, des médias, et qui a donné tout ce boucan. C'est ça. Avant que même Marasouba dise que moi je pars au Mali, ça trouve que les journalistes, ils ont tout gâté en fait. Moi, quand j'ai mes frères qui m'ont appelé, des potes qui m'ont appelé, qu'est-ce qui se passe, et on voit tout ça sur Internet, sur toi, j'ai dit quoi? Ils ont dit oui, tu as tapé Djabi. Même ils étaient choqués. Ils ont dit mais comment ça se fait? C'était entre nous. Ben, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui est parti, qui est en contact avec des journalistes qui a mal parlé sur moi. Mais après, je comprends, c'est comme ça la vie. Et avec Coach Magasouba, parce que ça aussi c'est très important, c'est lui le patron de l'équipe, je sais que tu aimes le Mali, tu adores ton quartier Guélébourg, mais tu aimes le Mali par-dessus tout. Est-ce que tes relations se sont... Enfin, je ne veux pas dire qu'il y avait de mauvaises relations, mais est-ce qu'aujourd'hui avec le coach, tout est rentré dans l'ordre comme tu le souhaites? Oui, Magasouba c'est comme un papa pour nous. Même en dehors du foot, c'est quelqu'un qui est humain, qui aime bien son travail. Mais l'équipe nationale, tous on appelle mon père. Après, depuis que c'est passé, on a parlé, moi et Marasouba, on a parlé au téléphone, on s'est vu au Mali. Il n'y a rien entre nous. Moi, je lui ai dit, ce qui est passé, c'est passé. Il m'a pardonné ce qui est passé. Moi aussi, je lui ai dit, il n'y a rien. Mali, il est là, s'il a besoin de moi, n'importe quel moment. Et moi, je suis là pour aller défendre mon colère. Donc, il n'y a rien entre nous. Marasouba, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé aussi, qui a bien parlé de moi, même quand je partais à mon club et tout. Donc, c'est pas quelqu'un qui a raquiné, quoi. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Je l'ai eu au téléphone, on a parlé et tout, et on s'est vu au Mali. Est-ce que ça t'a blessé les rumeurs qui étaient sur ton dos, à savoir, tu as giflé un coéquipier, on t'a visé de l'équipe nationale? Là, tu as parlé de ta famille, forcément, ça a touché ta famille, ça a touché tes fans, ça a même pu toucher ton club. Je suppose que tu as été blessé. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pardonnes tous ces gens qui ont colporté des rumeurs sur ta personne? Ouais, tu sais, on est dans un monde maintenant, tout c'est des réseaux sociaux. Aujourd'hui, si toi, tu es là, tu dis un truc sur moi, tout le monde prend. Il prend, il demande même pas. Il ne cherche même pas qu'est-ce qui se passe. Il prend, il salit les noms des gens. Ça, il y a des gens, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas que moi, il y a des gens qui ont eu pire que moi. Mais personnellement, je pardonne tout le monde. Ceux qui ont mal pensé, ceux qui pensaient que c'était comme ça qui s'est passé. Alors que c'est pas ça. Donc moi, je pardonne tout le monde. Après, comme je dis, moi, je suis quelqu'un. Toutes les personnes qui me connaissent, il sait comment je suis. Je suis quelqu'un joyeux, qui aime bien s'amuser, qui n'aime pas les problèmes. Après, même j'ai un caractère, chacun a son caractère. Je sais que j'ai un tempérament fort un peu, des fois. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est mauvais. Je ne suis pas quelqu'un qui est méchant. Et tous mes proches, ils savent ça. Après, quand j'ai quitté l'équipe nationale, ma famille, ils aiment bien le foot. Tu vois, donc, ils n'avaient pas aimé connaître. Dès que j'ai expliqué que je n'ai pas tapé, et ils ont compris. Après, j'ai dit, c'est bon. Bon, avec le temps, aujourd'hui, je crois que ça fait 2 ans. Je n'ai jamais parlé de ça. Donc, c'est l'opportunité de parler de ça. Pour dire à tous les Maliens et tous les gens qui me regardent aujourd'hui, je n'ai jamais tapé Djabi. Je n'ai jamais giflé. Et l'équipe nationale, c'est quelque chose qu'il faut les respecter. C'est moi, ce n'est pas moi. L'équipe nationale joue. Je suis là depuis que Yacelou, ils ont passé. Hein. J'ai là tout le monde, les grands joueurs qui sont passés. Nous, on n'est pas des grands joueurs. Hein. Donc, on aime notre pays. On est né là-bas, grandi là-bas. Donc, tout ce qu'on peut rapporter pour Mali, on fait ça. Avant d'être à Sochaux, tu es passé par Nantes, tu l'as dit, il y a eu Troyes, il y a eu Charleroi, après Sochaux. Et à l'époque de Charleroi, une fois, il y avait une banderole. Qui présentait ses condoléances, les fans de Charleroi ont fait une grande banderole et il y avait écrit dessus RIP, frère de Adama. Qu'est-ce qui s'était passé?
Est-ce que c'est un épisode de ta vie qui t'a marqué? Ouais, c'est les pires choses que j'ai vécues dans ma vie. Même si j'ai perdu mon papa quand j'étais petit. Mais par rapport à mon grand frère, ça m'a fait mal. Et ça m'a ouvert les yeux aussi de voir comment le monde est bizarre. J'ai passé vraiment un moment difficile à Charleroi par rapport à ça aussi. Parce que j'ai joué tous les matchs, je me sentais bien. D'un coup, mon frère il est tombé malade. Et j'étais avec lui en Tunisie. Dieu ne voulait pas qu'il reste. Donc, il n'a pas pu sortir. Dans cette maladie-là, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a fait mal. Mais c'est la vie. Ça veut dire que le club t'a laissé aller le voir quand même. Oui, le club, je remercie les présidents de Charleroi, de tous les dirigeants, les coachs et les coéquipiers là-bas qui m'ont beaucoup soutenu en ce moment difficile. Parce que je crois que j'ai fait un mois sans jouer là-bas. Et je faisais deux fois les retours aussi, Tunisie, Charleroi, Belgique, pour aller voir mon frère. Et c'était vraiment compliqué parce que c'était dans les milieux de championnat quand on était bien. C'est là quand le club comptait sur toi? Oui, beaucoup. Parce que moi, j'étais là-bas avec Osman Victor. Donc, c'était moi qui jouais. Donc, quand moi, je partais là-bas, donc Bob, c'est lui qui a commencé à jouer et tout. Mais bon, chacun a sa chance dans la vie. C'est un super joueur, c'est un bon joueur, c'est un super attaquant qui a bien profité aussi. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il est dans une top équipe aujourd'hui. En fait, c'est très important ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que tu es dans un club qui compte sur toi, tu marques des buts et il y a ton frère qui tombe malade. Donc le club de Charleroi a compris que Adama était mieux et serait mieux à côté de son frère plutôt que d'être au club en n'ayant pas toute sa vie. Ouais, le président Mehdi Bayat, j'ai quelqu'un qui est humain, qui m'a bien compris. Et franchement, ça sert à rien que je reste ici parce que ma tête n'était plus là. Ma tête, c'était être à côté de mon frère qui passait très très bon moment avec lui. Donc, même si c'était vraiment difficile, mais ça m'a ouvert les yeux aussi que la vie, ce n'est rien. Donc, il faut profiter avec tes proches, ta famille, les gens qui t'aiment. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi d'un côté, quoi. Ouais. Et tu dis que c'est la pire chose qui t'est arrivée dans la vie. Est-ce que cette chose-là, en tout cas, tu l'as affrontée comme un homme? Tu vois, être à côté d'un malade, tu aurais pu envoyer de l'argent, demander à quelqu'un d'être là. Tu t'es dit, moi, je vais être là physiquement. Et c'est ce qu'on attend des membres de sa famille, d'être là. Et est-ce que ce bouleversement-là, en fait, ça a changé positivement ta vie? Est-ce que tu es devenu quelqu'un de meilleur, qui comprend mieux l'essentiel de la vie après cet épisode-là malheureux? Oui, c'est une chance aussi de vécu des choses comme ça parce que j'ai compris que la vie, ce n'est rien. Parce qu'il était jeune, il avait sa femme, ses enfants. Donc, j'ai dit, il est parti jeune comme ça, peut-être c'était moi. Donc, je m'ai mis à sa place. C'est pour ça que je dis, chaque chose a son temps. C'est lui qui me dit ça aussi. Il m'a dit tout va finir un jour. Donc, c'était un grand frère qui m'a beaucoup aimé aussi. Qui m'a beaucoup aimé, qui était familial aussi. Donc, ça m'a fait mal d'un côté et ça m'a fait du bien. Ça m'a montré que dans la vie, il faut profiter et il ne faut pas prendre tout mal. Tant qu'il y a la santé, il faut profiter. Ouais. Je sais que tu as une très grande famille, tu me l'as dit. Mmh. Voilà, moi, les bureaux, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est des grandes familles. Est-ce que avoir une grande famille pour un jeune qui joue au foot comme toi et qui réussit, parce que l'objectif numéro un de tous les jeunes aujourd'hui qui jouent au foot, c'est d'être professionnel. Aujourd'hui, tu l'es depuis un certain nombre d'années. Mais est-ce que très tôt, tu as compris la charge qui est la tienne, que voilà, j'ai une grande famille, je ne peux pas faire n'importe quoi.
si je deviens menuisier ou maçon ou boulanger ou cuisinier, il faut que je le fasse bien pour pouvoir être un apport, un soutien pour cette grande famille. Ouais, c'est important. Aujourd'hui, ma famille, ils sont fiers de moi. Des grands jusqu'au petit. Après, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui est soudée. Parce qu'il y a des grandes familles, ils ne sont pas soudés. Aujourd'hui, moi, je peux dire Dieu merci. J'ai trouvé que mes frères, grands frères qui sont là, qui étaient déjà soudés, ma famille, tout le monde est... En fait, c'est une vraie famille. C'est une vraie famille. C'est pas que moi, je suis Adam Magnan, que mes frères ne peuvent pas me dire la vérité ou que je joue foot. Non. S'il y a quelque chose à dire, je dis, moi aussi, je sais c'est où je dois être là. Je sais comment je dois me comporter avec mes frères et tout. Comme mes petits frères, ils savent comment ils doivent se comporter avec moi. Donc, on a une famille qui est soudée, qui vit bien. Donc, de ce côté-là, je suis content. Parce qu'avoir une belle famille qui t'aime bien, que ça n'a rien à voir avec foot. Donc, c'est un truc bien. Et surtout, mes grands-frères, ils aiment bien le foot. Donc, je suis trop content d'avoir une famille comme ça. Bah, c'est bien d'avoir une assise familiale sur laquelle on peut montrer ce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Mmh. Et à titre personnel, depuis que tu es en France, et particulièrement, on va dire en Europe, puisque tu as été en Belgique, et particulièrement à Sochaux ici, on sait que dans le football, il y a du racisme. Des fois, des gens s'attaquent à toi juste parce qu'ils ne te connaissent ni d'Adam ni de Ève. Juste parce que tu as une couleur, une origine qui est différente de la leur. Est-ce que toi, tu as déjà subi des actes racistes, peu importe lesquels, dans le football, dans ta carrière ici en Europe? Oui, une fois. Mais après, moi, je suis quelqu'un, ça, je sais que ça ne va jamais finir ça. Donc, ça, c'est comme ça. Il ne faut pas. Et t'avais quel âge quand tu as fait ça? Ouais, ça fait longtemps. Quand j'étais à Nantes, j'avais 20 ans. Quand j'étais à Nantes. Mais quand j'étais à 19, ouais. Et ça t'a fait quoi? Ça m'a fait rire parce que, après, ça m'a donné encore des forces de gagner ces matchs-là. Et ce jour-là, j'ai marqué. Et ouais. Concrètement, qu'est-ce qu'on t'avait fait ce jour-là? C'était un gars qui jouait à côté de moi, qui m'a traité. Donc, comme tout le monde sait. Donc, après, j'ai regardé comme ça, j'ai rien dit, je n'ai pas réagi. Après, j'ai répondu sur le terrain. Ça, en fait, enfin, pour certains, ça peut ne pas te ressembler. Parce que les gens pensent que comme tu as un caractère qui est très fort, que tu n'aurais pas pu te retenir par rapport à ça. Mais même des joueurs de 35 ans, on a vu Zinedine Zidane à la Coupe du Monde avec Materazzi. Je ne sais pas ce que Materazzi lui a dit, mais pour que Zidane pète un plomb à ce point et fasse peut-être perdre la France à la finale de la Coupe du Monde, peut-être qu'on lui a dit quelque chose qui l'a touché. Et tu ne peux pas n'avoir pas été touché par ce que je présume ce que cette personne t'a dit. Donc, où est-ce que tu as trouvé les forces pour ne pas réagir du tic au tac comme lui? Ouais, en ce moment, je viens d'arriver ici et je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas ça, comment ça fait mal. Donc pour moi, c'était juste, on est sur le terrain, je l'ai fait mal, il veut me piquer et tout. Donc il m'a dit un mot comme ça là. Donc pour moi, c'était juste ça quoi. Comment tu réagirais aujourd'hui si tu suivais ça? Je vais répondre. Je vais répondre. Qu'est-ce que tu as pensé de ton coéquipier en équipe nationale, Moussa Maréga? Ouais. Quand il est sorti du jeu, c'était la première fois qu'un footballeur quitte le terrain. Et à partir de là, parce que ça peut faire perdre de l'argent au club. À partir de là, je pense que les décisions ont commencé à se démocratiser. On a vu le match du PSG en Ligue des Champions avec des gens comme Neymar, Mbappé. En fait, voilà, il y avait des gens très très médiatisés qui ont décidé de sortir du terrain, y compris les personnes de couleur blanche, hein, des Européens, qui n'ont pas validé, et donc le match a été repris. Ça a changé beaucoup de choses. Maintenant, quel est ton regard sur ce que Moussa Maréga a fait quand il a été
victime de situations racistes par les supporters de Guimarães, et aussi le comportement des joueurs du PSG quand Dembaba, c'était Dembaba qui était victime de racisme. Ouais, Marega, comment il a réagi, c'était comme ça. Après, c'est pas facile, chacun a son caractère. Il y en a qui ne peut pas réagir comme Marega. Donc, après, tout le monde n'est pas comme ça, tous les stades n'est pas comme ça. Mais comment il a réagi, c'est bien, ça ouvre les yeux des gens aussi. Que c'est important d'être soudé. Et tout le monde a vu les réactions de Marega. Et aujourd'hui, je crois que ça va diminuer sur le terrain, ça va diminuer. Ouais. Ouais, pour moi, il a bien fait. Comment toi tu réagis par rapport à l'attitude que Moussa Marega a eue lorsque les supporters de Guimarães ont eu des comportements racistes envers lui, et aussi les joueurs du PSG et de l'équipe adverse en Ligue des Champions, quand Weibo aussi a subi des propos racistes de la part de l'arbitre. Les deux équipes ont décidé de sortir, c'est-à-dire que des gens de couleur noire, des afros et des européens, ils ont décidé d'arrêter le match. Comment tu réagis par rapport à ces deux situations? Ouais, c'est comment Moussa il a réagi, il a bien fait, parce que tu ne peux pas entendre tout ça, c'est des supporters même qui crient ça, donc ça fait vraiment mal, et pour Weibo aussi. C'était comme ça. J'espère que si tous les jeunes commencent à réagir de la même manière, et à un moment donné, ça va arrêter. Oui, Pogba, toi, tu es coéquipier de Adama. Et on voit hein, sur vos stories, sur les réseaux sociaux, vous vous entendez bien. Comment s'est passé déjà les premières rencontres? Comment vous en êtes devenu proche aujourd'hui en club? Bah, tout simplement, je pense que ça s'est fait au feeling. Voilà, maintenant on sait qu'on est des Africains, notamment de l'Ouest, donc on a à peu près la même mentalité. Quand il est arrivé, voilà, on s'est dit bonjour comme si on se connaissait, ça faisait plusieurs années. Voilà, moi, mon naturel est toujours voilà, d'aider les nouveaux arrivants dans un club. Bon, même si je suis nouveau arrivant un peu à Sochaux, mais il est arrivé deux mois après moi, donc pour moi c'était normal de bien l'accueillir. Sachant que voilà, on est du même continent, donc faut s'entraider comme on a toujours fait. Et voilà, ça reste un très bon ami. Et j'espère que pour la suite, on continuera notre relation comme on l'a à Sochaux. Justement, est-ce que cette relation-là, en dehors du terrain, ça arrange les choses dans le jeu quand vous êtes ensemble? Est-ce que c'est plus facile le fait voilà, de déconner ensemble en dehors? Est-ce que sur le terrain, ça apporte un plus? Ouais, je pense que ça sera toujours un plus. Si sur le terrain on s'entend, donc en dehors du terrain on s'entend bien, donc forcément sur le terrain je pense que ça peut que aider mon coéquipier, notamment Adama aujourd'hui. Je pense que si tu as une bonne entente avec un des tes coéquipiers, ça peut que nous aider sur le terrain. Après voilà, on sait que sur le terrain on n'a pas le même poste, voilà, faut qu'on reste un peu concentré sur ce qu'on doit faire, mais je pense que c'est que un plus. L'entente hors du terrain avec n'importe quel joueur. Justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur son caractère, sa personnalité plutôt? Oh, personnalité, c'est un... Comment dirais-je? Je peux le qualifier un peu comme moi, qui prend toujours la vie du bon côté. Les soucis, ça vient après, même si on a tous des soucis dans la vie. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a la joie de vivre, très extraverti, voilà, qui est toujours souriant, toujours en train de faire des blagues, voilà, le bon vivant quoi. C'est qui le meilleur danseur entre vous deux? Non, ça, j'ai pas besoin de le dire, il vous le dira s'il doit faire une interview, mais je pense qu'il n'y a pas photo. Tu n'as pas répondu à la question? Si, j'ai répondu à la question. Je pense qu'il n'y a pas photo. Donc j'ai répondu à la question. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Et je vais faire une photo là. Voilà. Donc Adama, on t'a suivi pendant deux jours ici dans ton club à Sochaux Montbéliard. Comment tu te sens dans le club? Je vous remercie d'abord, vous tous. Et ça me fait vraiment plaisir ce que vous avez fait pour moi. Et me suivre pendant deux jours, c'est vraiment gentil et sympa de votre part.
Et après, vous avez vu un peu ma vie professionnelle quand même, qui est un peu chez moi, comment j'ai vu. Ici, je me sens très bien ici. Je suis venu dans un club familial qui m'a bien accueilli et j'ai trouvé que des coéquipiers sympas. Donc, ça fait plaisir. Je sais que tu as eu à subir des choses, des fois, des choses injustifiées. On t'a collé des étiquettes, on a écrit des choses sur toi sans savoir. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as été touché? Est-ce que tu as été blessé? Est-ce que tu pardonnes? Oui, d'un côté, je comprends. D'un côté, par rapport à ma famille, mes proches, je ne comprends pas. Parce que avant de parler des gens, il faut les connaître d'abord. Moi, il n'y a personne qui est parfait dans ce monde-là. Donc, je ne peux pas dire que je suis parfait, mais ma famille me connaît, ils savent comment je suis. Mes proches, ils me connaissent. Les gens autour qui me connaissent aussi, ils savent que je ne suis pas un mec méchant. J'aime bien la vie, j'aime bien s'amuser, j'aime ma famille, j'aime bien rigoler. Après, ceux qui parlent mal sur moi dans les journaux, dans les articles, sur les réseaux sociaux, ils ne me connaissent pas. Donc, je sais qu'il n'y a pas que moi qui a subi ça. Donc, même des grands joueurs qui ont subi des choses comme ça. Mais c'est comme ça la vie. Le plus important pour moi, c'est ma famille et mes proches qui me connaissent. Donc, le reste, je m'en fous. Il paraît que vous avez le trophée du joueur le plus nul, c'est après chaque séance d'entraînement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Ouais, ben pour se chambrer, des fois on rigole entre nous. Des fois, si tu. Il y a des jours d'entraînement, tu vas être trop nul ou tu fais un mauvais geste ou tu perds dans les séances, on te donne les trophées. Ouais. Et Adama, est-ce que tu es heureux dans ta vie professionnelle et familiale? Est-ce que tu es heureux? Oui, je suis heureux dans ma vie. Je peux dire Dieu merci, ma famille même, mes proches et mes amis. Et je suis en bonne santé, ma famille, tout le monde en bonne santé. Je peux dire Dieu merci, c'est ça le plus important pour moi dans la vie. Ce n'est pas l'argent ou voiture ou maison, c'est la santé le plus important. Donc je peux dire Dieu merci. J'ai jamais eu grave blessure dans ma vie, des problèmes santé. Donc je vis bien, je peux dire Alhamdoulilah, Dieu merci. Et je suis vraiment heureux de ma vie professionnelle et ma vie normale aussi. Merci Adama. Merci à vous.